Tu vas-tu bien, mon chum? BMX 5 Saint-Laurent, je suis à l'avant du truck avec Roger. Vous l'aurez compris, je suis totalement de retour du Québec, Montréal 514. Tu connais-tu, si tu suis un peu ma story, tu as vu que je suis tombé totalement en amour avec cette région. Et non, je sais ce que tu veux dire, je n'ai pas été payé par l'office du tourisme du Québec pour en faire la promo. Tu penses vraiment qu'ils engageraient un mec dont l'activité principale, c'est d'imiter l'accent québécois H24 devant les Québécois? T'attends-tu de venir souper chez nous demain soir? T'avais-tu de quoi de prévu? Ah, mais demain, je peux pas, gros, je m'en vais chez ma grand-mère de Chicoute. Ouais, le gros, c'est tout, je peux parquer mon char. J'étais en train de rider mon Ford Taurus sur Saint-Laurent, j'étais déjà mes rêves. J'étais avec ma blonde, tu voulais manger un Taco Bell, me voir un match des Canadiens. Le bon français de base à l'étranger. C'est quand même le seul peuple au monde qui pense à la cool. Alors amuse-toi même, profite de ton séjour. Profite de ton séjour. Parfait. Alors que c'est quand même hyper raciste. Bah, à titre comparatif, c'est comme si je faisais. Ah vraiment là, je suis fatigué là. Je suis content de te voir, mon ami Honoré. Ah Wakanda, Wakanda, mon ami Black Panther. Pour moi, j'ai le mafé, le foufou, le poulet. Moi, j'adore le poulet. Moi, j'ai le poulet tout le temps. Et je suis noir. Danser autour du feu et un os dans le nez. Oh, ça va, on déconne là. Oh, je regarde le Paris Dakar, moi, man. Je prends des Uber. Oh, nous qu'à rigoler, man. Ok. Ça n'est pas une ambiance de folie, quoi. Sauf que les Québécois, ils prennent pas ça si mal. D'ailleurs, en général, le Québécois, il prend tout bien. Okay. Je te jure, il y a une joie de vivre permanente qui règne là-bas. Ils sont tout le temps de bonne humeur. Le Québécois sourit tout le temps, c'est simple. Quand il travaille, quand il mange, quand il boit, même quand il se bat. T'as-tu fourré ma blonde, toi? Ouais, t'es bonne ta meuf. Je te passe la face, là. Viens. Mais c'est parce que c'est... Viens, j'ai fourré ta meuf. J'ai fourré ta meuf. Je sais que c'est un cliché, c'est souvent ce qu'on dit, mais le Québécois est vraiment sympa. Peut-être trop sympa. Le Québécois est vraiment sympa. Tu baisses sa meuf, il dit. Tu veux-tu que je filme? Le Québécois est vraiment sympa. Tu lui voles de l'argent, il te dit. Pas plus de 1000$, hein? Le Québécois est vraiment sympa. Tu le tues, il te dit. Oh non! Mon chandail! Le Québécois est vraiment sympa. C'est embêtant, là! Non, ça, ils sont tellement sympas que ça se demandait c'est quoi un connard là-bas, tu vois? C'est quoi un mec méchant, tu vois? Eh, t'as mal dormi ou quoi? Parce que t'as un peu des cernes. C'est vraiment pas gentil. Eh, ton coiffeur, il a qu'une paire de ciseaux, quoi. C'est vraiment pas nice. Quand t'appelles un Uber, il met 7 minutes. Tu mourras là en enfer. Non, évidemment que le Québécois, il s'énerve. Enfin, on l'insulte, hein, il est comme tout le monde. Sauf que lui, t'insulte le style calliste de Chris de Tabernacle de marde. Le Québécois ne jure pas, à l'inverse de nous autres Français, mais ça, ces gros mots sont principalement composés de calliste, de Chris, d'esti et de Tabernacle. Ah ouais, insulte-les en français de France, ça leur fait ni chaud ni froid. Eh hey, bande de putes, ramenez vos grandes gueules de salope, je vous le baise. Calice de tabarnak. Non mais c'était pour tester. Essayez-vous de voir comment la culture là-bas, hormis la langue, est totalement différente de chez nous. Chez eux, le hockey, c'est le sport numéro 1. Le football, c'est le football américain. Ce qu'on appelle nous le football, chez eux, c'est le soccer. Et en soccer, justement, ils sont ils sont super sympas, vraiment super accueillants. Y a rien à dire là-dessus, ils sont... Mais en plus, moi, je suis supporter de l'Impact de Montréal. J'ai mon ami Anthony Jackson qui joue pour eux. J'ai rencontré le coach Rémi Garde, c'était super. Le stade est stylé, l'ambiance est folle. Mais niveau jeu, je préfère Châteauroux, quoi, je veux dire. Et maintenant, voici les meilleures actions d'image présentées par la Banque Desjardins. Yes! Yes! C'était les meilleures actions d'image présentées par la Banque Desjardins. Au Québec et en Amérique du Nord en général, t'as ce concept du tips obligatoire. C'est-à-dire que tu peux pas partir d'un restaurant sans payer un petit pourboire au serveur. Ça va de 10, 15, 20% du prix de la note. T'es obligé de donner un pourboire au serveur, c'est compris dans le service qui t'est offert. Et ce concept-là, en France, il pourrait pas trop marcher, tu vois. On est trop des rageux. Et messieurs, dames, voici l'addition. J'espère que vous avez apprécié le repas. Revenez quand vous voulez. Tu les vois. Tico. Andouille. Que Dieu vous bénisse. À la vie, à la mort, tu te rappelles, frérot? Oh, rends la team, rends la team! Rends la team! Oh, je vais te choper comme ça, je vais passer le prix, là! Et là-bas, les agents immobiliers, les avocats, les courtiers en assurance, ils ont tous des affiches avec leur gueule dessus et leur blase en dessous, tu vois. Vraiment bien affichés dans la ville. Comme si c'était des putains de rostats, tu vois. On dirait des affiches de Niska en concert. On dirait qu'ils vont faire un show en boîte, les mecs. Vous l'attendiez tous ce soir au Sunrise, Maître Moula. Je vous rappelle que l'article 48 stipule que tout acte civil en territoire étranger sera valable seulement s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par des agents diplomatiques ou consulaires. Faites du bruit, Sunrise. Objection.
dans ta daronne, objection. Dans ta daronne, objection. Dans ta daronne, objection. Dans ta daronne, votre honneur, fils de pute. Putain, t'es trop hâte, on se voit après. Oui, mais d'abord, tu as signé ce papier qui stipule que tu es majeure et consentante. Pour moi, la nuit n'est pas finie. Ce soir, c'est elle l'accusée. Et je risque plutôt bien de la défendre. Je serai bien derrière elle. Ce soir, elle termine derrière le barreau. Enfin, mon barreau. Faites entrer l'accusée dans ma chambre. Et je pensais pas que c'était possible, hein, mais... Oui, alors, en fait, j'avais oublié une blague, j'ai eu le temps de bronzer aussi. Et je pensais pas que c'était possible, mais il y a un nombre de Français expatriés au Québec qui prennent l'accent super vite. Ah, les mecs, c'est devenu un Québécois pure souche, qui t'a forcé un petit peu. Les chicks du plateau sont tellement plus hot que dans le fin... Excuse-moi, je t'arrête. T'es Québécois, en fait? Ah non, je suis français, je suis natif d'Aix-en-Provence, maintenant je vais au Québec. Mais pourquoi tu parles comme ça? Avec ah, je me suis accoutumé, la ville est rentrée à moi, je suis devenu un vrai Québécois, tu sais. Alors tu m'as dit que ça faisait 2 semaines que t'habitais ici. Je capote, je comprends rien, t'as un accent de français de Parisien, je comprends pas ce que tu me disais. Tu parles français déjà, putain, arrête de parler comme ça, tu me stresses là. C'est bon, tranquille. Tranquille, tu peux me parler tranquille. Mais d'accord, il y a 2 minutes, tu parlais en québécois. Eh, peu cher, il est fada, lui, oh, tu as craqué, toi. Oh, tu serais au vélodrome, on t'aurait mis dans la cave et on t'aurait fait tourner avec le pastis. Bref, tout ça pour dire que j'aime vraiment le Québec, que ce soit les gens qui y habitent, le décor, l'atmosphère, le mélange des communautés, la poutine, Justin Trudeau. Bref, j'aime le Québec, j'aime Montréal, mais que l'été. Allez, au revoir. BMX 5 Saint-Laurent, je suis à l'avant du truck avec Road J. BMX 5 Saint-Laurent. J'ai rencontré plein de filles dans ma vie, tu vois, mais j'ai jamais eu ce feeling que j'ai avec toi. Et vraiment, tu me plais, quoi. Check, mais on peut passer par 4 chemins, ni par 3 rivières, là. T'es de mon goût en tabarnak, là. T'es pas forcé de parler. En tout cas, là, c'est fou, à Montréal, on en trouve pas de même, des gars de même. Mais dis pas plus. Hey, t'es une belle pièce de viande, toi. Non, mais c'est... Ah ben là, c'est... Ben, Chris, c'est toi. Hop là, stop. Et bam, qui dit vidéo Québec, dit musique avec un Québécois et un clip à Montréal. Ça s'appelle Saint-Laurent, c'est en featuring avec mon gars Road J. Et c'est disponible juste là, t'as juste à cliquer, allez, vas-y.